mes chatons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Caramella Family. Oh, une petite mésange. Je déclenche le vlog numéro 122. Alors attention, c'est parti. Sur les lèvres, une petite laque à lèvres de chez Complexion que j'avais eue chez Nose. Franchement, je l'adore. Elle hydrate les lèvres, impeccable. Il est exactement 8h15. Je sors de la douche avec mon kidou. On est prêt, nous allons chez le médecin. Voilà, je vais l'accompagner. On a rendez-vous dans une heure, à 9h15. Il fait combien? Il fait 8 ce matin dehors. Du coup, on a mis les manches. Hein, on a mis les manches en boucle d'oreille. Hop. Des boucles d'oreilles de chez AliExpress. Voilà mes chatons. Sauf les petites du milieu, là, c'était en partenariat. Voilà, voilà. Allez, je vais peut-être petit déjeuner quelque chose. Je vais boire un Actimel, etc. Et puis ensuite, eh ben, je vous emmène avec nous. À tout à l'heure. Et bon mercredi. Allez, c'est parti. 8h30, on est chaussés et on y va. Je vous tiendrai au courant de notre tour. 10h, mes chatons. 11h, on est sorti de chez le médecin. Donc, on a IRM, ça c'était prévu. On a radio à faire en plus. Et la prochaine fois, on le revoit début décembre, hein, il me semble. Voilà, le neurochirurgien. Là, on part à la poste chercher la nouvelle cage de griotte. Et ensuite, ben, je fais vite à manger et mon kidou retournera au travail. Voilà mes chatons. Et il fait super beau et on a déjà 15 degrés à l'ombre. Ce qui est très bien pour un début octobre. Nous sommes rentrés, il est midi moins le quart. Mon kidou est en train de manger des raviolis. On est allé chercher le colis de la cage, de la nouvelle cage de ma griotte. Heureusement qu'Kido était avec moi parce que ça fait près de 30 kilos. Voilà mes chatons. Mon Kido, donc, comme je vous dis, est en train de manger des raviolis. Il y en a une qui pionce. Voilà. Et puis moi, ben, je suis allée un petit coup à la salle de bain. J'ai fait ma toilette. J'ai changé mon t-shirt de maison. Et ensuite, là, eh ben, je vais petit déjeuner. Et parce que je me sens pas très bien. Il est temps que je mange un peu de yaourt, etc. Il fait super beau, hein. On a combien? On a 20 degrés à l'ombre. Regardez. Super beau, franchement. Il y avait un monde à la poste. Mais ça va, c'est allé assez vite. Allez, on se retrouve pour le repas. Enfin, le petit déjeuner pour moi. Mes chatons, j'ai acheté une petite carte, voilà, sincère condoléance pour mes petits voisins du dessous, pour ma charmante voisine qui, hélas, ne s'est pas réveillée hier matin et qui est partie trop tôt. Et pour ceux qui restent, c'est dramatique pour la famille. Du coup, avec mon kidou, on va leur mettre cette petite carte comme quoi on est de tout cœur avec eux. Et que même si nous ne sommes que voisins, eh ben, on va mettre qu'on est là s'ils ont besoin pour quoi que ce soit. Parce que le petit monsieur qui conduit plus et puis qui marche très mal, et qui a perdu son épouse, eh ben, s'il le veut, on l'emmènera en course, on l'emmènera pour des papiers ou quoi, voilà. On restera disponible pour lui. Voilà mes chatons. Et après, je petit déjeune. Je vais faire un petit peu de rangement, là il est en milieu d'après-midi, dans la chambre numéro 2, et en attendant que mon kidou arrive, et puis ensuite on s'attellera au montage de la cage de ma petite griotte. Il fait assez beau, ma sœurette elle emmène maman pour un soin médical, voilà, parce qu'après il ne faut plus qu'elle conduise,
Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je prendrai des nouvelles ce soir. Allez, on va voir un petit coup ce que ça donne. Là, j'ai fait une fausse manie. Pour l'instant, c'est comme ça. Et je vais tout mettre en carton. C'est pour ça que mon Kidou m'a descendu mes cartons de déménagement. Et je vais ranger par thème. Voilà. 16h30, mon Kidou vient de rentrer. Là, j'ai pratiquement fini de ranger toute la pièce. Et on va s'atteler au montage de la cage de griotte. Voilà mes chatons. Et ce soir, je m'en occuperai. Allez, je continue ça. Vous voyez, regardez, tout ça, ce sont les sacs papier que je vais mettre au recyclage. Voilà. Et je vais en garder quelques-uns pour les sacs poubelles de la salle de bain. Allez mes chatons. Voilà, j'ai rangé vers mon frigo. Hop. Voilà, il ne me reste plus que ça en sac. Et ça, ce sont les sacs de conservation quand mon Kidou a cantine. N'a pas cantine. Je vais étendre ma lessive. Je vous montrerai la cage de griotte après. Et voilà le rangement de ma pièce. J'ai tout nettoyé. Ici, c'est tout ce qui est griotte. Mon hamster, le foin, le chanvre et la nourriture. Voilà, donc je vais refaire toute sa cage. Et là, c'est tout ce qui est... D'ailleurs, ça nous a retiré des cartons de déménagement. Ça, c'est cool. On a de nouveau la place pour bien faire les lessives, etc. Là, c'est tout ce qui est oiseaux pour mes mésanges. Et ici, les soins, tout ce qui est ménage, lessive, soupline. Et puis, condiments avec conserve. Voilà mes chatons, vous voyez, c'est beaucoup plus réduit. Je suis trop contente. Il y a aussi tout ce qui est voiture, hein, entretien voiture, etc. Donc ça prend de la place, les gros bidons, etc. Donc tout ça c'était plein, tout ça c'était rempli, on ne pouvait plus arquer. Et donc voilà, puis après, bah ouais, on n'a pas de cave, on n'a pas de garage, on n'a pas de grenier, on n'a rien. Et voilà, donc tout ce qui est oiseaux et hamsters, ça prend énormément de place. Voilà, tout ça, ce sont les animaux. Et ici, voilà mes chatons. Donc comme ça, je sais où j'en suis et ce que j'ai, je suis trop contente. J'ai fait un petit carton salle de bain Kidou et un petit carton salle de bain Ingrid. Voilà. Allez, je vais étendre ma lessive et je vous reviens pour montrer la nouvelle cage de griotte. Alors, la lessive est étendue et voilà ce que ça donne au niveau de la cage de griotte. Voilà, la nouvelle cage. C'est carrément comme un meuble. Hop, voilà. Ça vous met pas de foin, de paille partout. Elle va être bien là-dedans. Alors, je vais tout désinfecter à l'eau chaude et au vinaigre blanc. Et j'installerai tout ça demain. Voilà mes chatons. Voilà, voilà. Hop. Et bien sûr, tout c'est grillagé, ça craint rien. C'est hyper costaud. Voilà. Allez, je cours à la salle de bain. Et puis après, là, mon Kidou est en train de faire à manger. Il a coupé du jambon. Du jambon fumé, poêlé. Voilà. Et ensuite, on va faire une omelette.
Et ça va faire une petite omelette avec des endives en salade. On va être trop bien. Oups. Et il fait combien? Il fait encore presque 24 dehors. À 19h presque. On est 24 à 19h. Franchement, on est trop bien. Allez, on vous retrouve un peu plus tard. On vous souhaite un excellent appétit. Je vous conseille les jambons de Bayonne épais à poêler avec des œufs de ferme. Et ben, c'est trop bon avec des endives. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Bon jeudi, mes chatons. Il est exactement midi. Et nous sommes déjà le 5 octobre. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vais petit déjeuner, mais là j'étais avec le veto pour prendre rendez-vous avec pour ma petite griotte, pour qu'il voit quand même sa petite plaie et sa démangeaison. Voilà. Je préfère. Ça se soigne, mais je préfère être rassurée. Voilà. Donc vaut mieux, c'est préférable. Voilà, ils m'ont reconnu parce qu'ils me disent oh ben bah, on reconnaît ah oui je vous reconnais c'était Minus et tout ça et puis Caramel, Caline etc. Ben oui et oui et oui j'ai mis un an et demi à reprendre un petit animal. Je reprendrai des chats mais là ils me disent oh ben bah, ça change de taille, une petite griotte. Donc j'y vais mercredi 11 octobre à 9h20. Il restait une petite place, je suis trop contente, sinon c'était dans 15 jours. Et ça me rassure. Voilà, je préfère payer, même s'il n'y a pas grand-chose, qu'elle me dit, vous continuez les soins que vous lui faites, etc. Ça me rassurera. Et puis, je viens de valider mes courses de Lidl. Voilà, donc demain, on va aller à la pharmacie. Au drive de Leclerc, je viens de le valider aussi, j'en ai pour 70 euros, beaucoup moins que d'habitude, puisque les stocks sont faits, voilà, et il n'y a plus beaucoup de promotions, mais j'ai quand même réussi à avoir de la promotion. Pour Lidl, il me faut des pamplemousses, qui sont à 59 centimes, alors je vais en prendre pas mal. Je vais prendre 2 bouteilles de rosé au cas où j'ai du monde, des patates, je vais regarder si j'ai les pantalons de travail pour mon kidou en 46-48. Et il me faut des bananes, du raisin, des endives, du pain de mie, des déos. Et puis voilà. Voilà mes chatons, la petite course. Et sinon, pour le drive, eh ben, j'ai validé mon drive. Hop. Sur les lèvres, si vous vous posez la question, c'est un magnifique petit rouge à lèvres liquide mat de chez Technique que j'avais eu à 1,29€ chez Nose. J'adore la couleur, il est trop beau. Faites pas attention, mauvaise période, il y a des boutons. Hop, alors donc j'ai pris du jambon blanc, du jambon fumé, des saucisses de Francfort pour faire avec des petits pois, des tagliatelles fraîches, des pâtes fraîches, des fusilli. Des yaourts en promotion, parce qu'on en mange jusqu'à 3 par jour avec mon kidou. Des glaces, parce qu'il y a des glaces Ben & Jerry's en promotion. Vous avez 34% sur la carte, plus 30% d'économie de suite sur le total. Donc ça les fait vraiment pas cher. J'ai pris des chewing-gums en promo, de la confiture d'abricot allégée, parce que c'est ma préférée. Il y en avait enfin sur le drive. De l'eau de Cologne, j'en ai plus. Et du dentifrice, 40% sur la carte. Et là, je vais essayer. C'est un dentifrice Colgate bio, citron agrumes. Donc ça m'intéresse. Et ensuite, eh ben, j'ai pris des protèges slip, un pistolet nettoyant pour le ménage, parce que je vais m'en servir dès dimanche. Et puis, une bombe d'insecticide, pour en avoir une d'avance, parce que l'autre est déjà presque terminée. Mais j'ai pris végétal, comme j'ai un petit animal. J'ai un total de 76,59€, je crois que c'était 78, vous voyez. Une économie de 8,12€, oups, excusez-moi, grâce au pistolet et à la bombe insecticide. Et j'ai mis sur la carte encore 20,01€, vous voyez, en faisant un petit drive de 76€. Donc ça vaut le coup, hein, franchement. Donc je vais arriver à 600€ sur la carte, là, sans trop le vouloir, et que de l'indispensable, comme disent mes abonnés, lessive, soupline, entretien,
Si on fait son ménage, moi, je m'en sers tout le temps. Voilà. Allez, je suis contente. J'ai mon rendez-vous veto. Mes petites courses sont validées. Et là, on va petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une lessive à détendre et à ranger. Et je m'occupe de ma griotte aujourd'hui. Hop, nouvelle cage, nouvelle vie pour ma griotte. Elle va être trop bien. Et elle pourra plus faire ses dents et se faire mal. Pour l'instant, elle ne s'est pas fait mal. Mais j'ai vu sur Internet, ils peuvent se casser les dents, s'abîmer les bajoux, la bouche, enfin la petite gueule, parce qu'on dit une gueule pour un animal. Voilà. Et donc comme ça, je serai tranquille, je serai plus stressée la nuit. Voilà. Parce que oui, moi, les animaux, c'est précieux. Voilà mes chatons. Allez, sur ce, on petit déjeune. Bon, comme d'habitude, hein, pâte à tartiner, pain de mie, confiture, petit café, yaourt. Bref, pour prendre des forces. Bon petit déjeuner pour moi et bon appétit pour vous. Je vais aller m'occuper de ma lessive, je vais la détendre, la ranger, et puis je vais vite faire repasser la petite chemisette de mon kidou. Voilà mes chatons. Hop, donc c'est parti, on y va. Le soleil est revenu, chaton, il est exactement 15h15. Et bien, je viens d'allumer mon ordinateur. Hop, Filmora, et c'est parti, je vais clôturer ce vlog. En attendant, alors je fais ce vlog, et en attendant qu'elle se mette sur YouTube, et bien, je vais désinfecter à l'eau bouillante et au vinaigre blanc la nouvelle cage de ma petite mémère. Et puis, je la ferai tout à l'heure, ce soir. Voilà, vous verrez le résultat demain. Et bien, si vous voulez voir le résultat, il suffit de me retrouver demain pour la suite dans un nouveau vlog. Donc, je vous dis à demain. Demain, les courses et la nouvelle cage de ma petite criotte. Je vous embrasse fort, faites attention à vous. À très vite.